Bonjour frère Maxime, comment nous est? C'est JFL, Cuisine Créole, Jean-Fédor Lédi, votre chef à la maison qui rentre la canou, me dit nous merci. Merci pour confiance nous, merci pour fidélité nous, et merci pour bouche à l'oreille que nous a fait. Avant que moi continue à faire recette là, qu'on a bon prendre un petit temps pour me saluer sept nouveaux super membres de JFL Cuisine Créole. Moi salue Colette Legros, Dunant Paul, Marie-Math Sully, Marie MC, Régine Toussaint, Teddy Clermont et Wana 44. N'a remarqué, abonné payant yo a monté là. Comme moi te dit nous, si nous voulons encourager, nous gagnons juste abonné pour yon mois simplement pour $2.99. Moi qui t'en dis nous, yon grand merci pour encouragement nous. Nous tendez appel moi, merci. Moi pral faire un petit pancake créole pour nous. C'est sûr que pancake existe déjà, mais qu'on a façon pour le faire là, nous pral voir qui ça fait la créole. Pour moi faire recette générale moi gen là, moi gen yon tasse un quart de farine, moi gen tan tamizeli pour nous là. Moi vini avec des œufs entiers moi mettez là-dedans. Pendant que m'a brassé là-dedans, moi tout mettez le d'un coup, moi mettez yon tasse de lait. On a moins fin brasser les bien brasser pendant au moins 3 minutes pour m'éviter tout mouton qui va aller là-dedans. Yon cuillère de beurre fondu. Yon cuillère de beurre fondu, moi mettez là-dedans. On continue à brasser le toujours. Moi mettez 2 cuillères de sucre. Moi venir avec 2 petites cuillères de poudre d'élévation. Ça nous relève les poudres à pâte là. On mettez 2 cuillères d'essence vanille, moi gain blanc ou même on va mettre n'importe couleur vous voulez. Ça c'est le même qui pancake traditionnel. Là nous gagnons pancake. Juste comme ça son pancake nous gagne si n'a travaille dans un restaurant ou n'importe où côté n'a travaille, c'est ça qui un pancake. À ce moment-là on y prend, on retire fouet à la dedans, on met ton plastique sous lui. Ou mettez le reposer pendant au moins une heure de temps après ça pour le faire pancake. Là, moi dis nous, ma pote yon couleur créole là-dedans. Mais ça me fait. Moi vini avec demi-tasse de noix de coco. Coco ya nous grager, nous prenons frais ou bien sèche, nous mettez là-dedans. Pour nous faire si moun capoter plus, moins cuit de bacon là. Et maintenant, moi mettez demi-tasse de bacon là-dedans. Qu'on y a là, moi brasser, c'est ça que fait moi dis, moi pote petit saveur. Créole là là-dedans. Qu'on a assez fin fait, Benny. Ces pancakes là, qu'on a mal quitté le reposer pendant une heure de temps. Après ça, on va le faire pour montrer nous comment on occupe. Qu'on a une heure de temps fin passé, Benny, juste retirer le plastique là. N'a pas un petit louche, nous comme ça. Qu'on a là, on va le mettre, on va le passer, on va le commencer. On va venir avec l'huile. Je mets un petit l'huile dans le poêle là. Je quitte le poêle là bien chaud. Je mets l'huile là et ça me passe là-dedans. Je lève sur plus. Je prends un petit louche comme ça. Je me démonte là. Je dépose la mi-temps dans le poêle là. Quand on a là, quitté ça à monter. La différence qui gagne entre une crêpe et un pancake, quoi après me raquer, pas de crêpe là, plus liquide que pancake là. Deuxième des choses aussi, je mets le poudre à pâte là-dedans. Alors que dans la crêpe là, je ne peux pas mettre. Troisième des choses, l'un t'a vidé pâte à crêpe là dans le poêle là ou t'as vraiment viré pour me faire aller tout large. Alors ce que pancake là c'est un petit bagage tout petit tout rond là bien. Quand on va regarder, m'a quitté qu'on a quitté le bal qu'on est en bas après. Moi pas regarder moi on série des petits points qui monter la mi-temps pancake là. Voilà, moi pour me chauffer, moi te mettre à 7.5. Une fois qu'il chauffé qu'on a moins descendu, mettez la 6 pour en bas, pas trop brider. Nous, un petit point de dire, nous avons monté, nous avons monté, ça veut dire c'est prêt en bas. Un clé, nous tournons. Nous, il n'est pas trop brillé, il n'est pas trop jauni non plus, c'est parfait. Dans 10 femmes, il est toujours à 6.5. Lesquels vont commencer à faire 2 ou 3, nous allons mettre fois à 6 et comme ça l'a toujours été avec une couleur uniforme tout le temps. C'est parfait, c'est ça qui est un pancake.
premier gun n'a fait, m'a continué encore. Mais yo là, moi fin fait yo là, moi réussi yo là, regarde ça, c'est pas fait du côté haut, du côté bas. Qu'on a ça moi le faire, moi le goûter là. Moi même là me venir avec un petit yon a dans et puis mettre un petit fruit là-dessus ou tu gagne droit gagner fraise, on mettez là dedans et puis mettez un petit sirop. On mettez sirop mais moi même son sirop d'érable moi mettez là. C'est vraiment bon pendant que moi goûter là là, l'autre petit goût de bacon mélangé avec ti noix de coco qui ont ti gens sec plus sirop, ça donne une explosion dans bouche qui ont bagaille qu'on pas qu'on habitué goûter. C'est vraiment bon, moi encourage pour faire pour tout ti monou. Si toutefois t'as aimé, encouragez-moi pour $2.99 en devenant membre de JFL Cuisine Créole. Ou uniquement aller côté que marqué communauté en bas vidéo. Ou joindre un lien et pour juste cliquer dessus. Ou venir membre ou pas abonné pour $2.99. Vous m'êtes abonné juste un mois. Hein? Moi, j'ai entendu un grand merci d'avance. C'était JFL Cuisine Créole. J'en fais dans lundi. Votre chef à la maison, t'es là. Merci. Au revoir.